Tu vas te mettre de l'autre côté si tu veux bien. Sur... Ça va. C'est une crinière. Vous avez vu hein, comme il verdit oui, mais avec ça. Je sais pas ce que tu en penses. Le fer. Couleur brune, mais très claire, avec des parties très, très brillantes. Avec le compresseur, avec... ça va quand même plus vite. Non, pas plus vite, mais ça chauffe pas. Oui. Ah non, ça va pas plus vite. Hein. Comme ça lumineux. Hein. Oui, c'est fou. C'est incroyable. Hein. Avec la patrie, ah oui, bien. Oui, c'est pour savoir si elle c'est est très belle. Non, moi, je suis tombée amoureuse de cette plaque. Moi, j'ai une boule. Oui, ça m'étonne. Thank you.
C'est ici en tant que représentant de la commune de Presse sur ce mont que j'ai le privilège de vous accueillir dans le village Montréal du Grand Bain. Vous savez, Léon Frédéric est un peintre belge, incassable, pitoyable pour le réalisme et le symbolisme. Il est né à Bruxelles en 1856. C'est à 27 ans que sa destinée bascule. En effet, c'est à ce moment-là qu'on découvre l'existence de l'architecture, un tout petit village attelé, bloqué autour de son église. Maintenant, j'invite les membres de la famille à me rejoindre pour qu'on découvre l'œuvre. Je vous fais juste remarquer au passage que vous avez la faveur de découvrir le nouveau drapeau de la commune de Presse-sur-Sement. Thank you.